Enfin de la joie dans le vestiaire niçois, les Aiglons mettent fin à leur série noire de 7 défaites consécutives. Une victoire 1-0 face à Sochaux qui fait un bien fou au moral des hommes de Claude Puel. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau du débrief sur Azure TV. Nous allons bien évidemment revenir sur cette rencontre entre Nice et Sochaux en compagnie de notre consultant maison Christophe Mélin. Salut Poussin. Salut Mika. Et de notre invité, le milieu de terrain du gym, le belge Christian Bruls. Bonsoir Christian. Bonsoir. Christian ou Christian d'ailleurs, comment on préfère dire? En allemand on dit Christian. Et en français, on dit Christian. Alors, on va essayer, Christian, pour cette émission. Merci en tous les cas d'être avec nous sur le plateau du débrief. On va évidemment parler de cette rencontre entre Nice et Sochaux. Mais avant cela, on va évidemment voir un résumé du match préparé par Marc Meffray. C'est parti pour cette rencontre entre l'OGC Nice et Sochaux. Le coup d'envoi donné par les Niçois. C'est parti. Oh, ça a touché le poteau, il me semble. Et Pierrick Cross qui a mis peut-être ce ballon sur le poteau. Christian Bruls qui perd le ballon, c'est récupéré par Didier le centre. Oh, ce ballon qui est passé pour Eric Botteac et l'ouverture du score en faveur de l'OGC Nice. Le voilà, le but qu'on attendait tant pour les Niçois. Il est l'œuvre d'Eric Botteac qui fait son retour ce soir à l'Alliance Riviera et le gaucher et qui permet au gym de mener 1-0 face à Sochaux. C'est Anish là qui lui redonne, c'est bien fait. Puel. Le décalage côté gauche, Eric Botteac. Le centre de Botteac. Attention, Darius Italis, sa tête à la parade de Pierrick Cross pour dégager ce ballon. Il était parfait ce centre d'Eric Botteac. La tête de Darius était belle. Mais talent gardien de hand, Pierrick Cross a repoussé cette balle. 63 minutes dans cette rencontre. On a donc passé l'heure de jeu. Bakambu qui va faire son entrée dans quelques secondes. Nice qui mène 1-0. Et Pierrick Cross qui est approché, Claude Jézac qui avait marqué dans le but vide. Ah, c'est quand même ah, ouais. Il est en l'air. Attention, ce coup franc rapidement joué. Ouais, c'était bien fait de la part de Christian Bruls qui a essayé de tromper la vigilance de Pierrick Cross qui était en train de placer son mur. Ouais, c'était bien joué hein, de la part de Bruls. On a vu que tout le monde se mettait en place et heureusement que le gardien est resté attentif. Attention, ça. Et c'est terminé. Monsieur Tuchel qui n'est pas allé au bout des 5 minutes du temps additionnel. Et les Niçois qui enfin mettent fin à cette série de 7 défaites consécutives avec cette victoire 1-0 face à Sochaux. Voilà donc pour le grand format de cette rencontre entre Nice et Sochaux. On va voir tout de suite les tableaux de cette 18e journée de Ligue 1. Les résultats avec en particulier la victoire des Saint-Etienne face à Montpellier vendredi soir. Paris Saint-Germain qui s'est imposé à Rennes 3-1. Monaco à Guingamp 2-0. Et puis hier, l'OSC qui a battu Bastia 2-1. Et l'Olympique de Marseille et Lyon qui ont fait match nul 2-partout. Ce qui nous donne au classement le Paris Saint-Germain toujours en tête devant Monaco. 2 points d'avance pour les Parisiens sur les Monégasques. Lille 3e. Un trou a été fait avec les Girondins de Bordeaux 4e. Et puis dans la deuxième partie de ce tableau, Nice qui gagne une place et qui est 15e à présent. Valenciennes, Ajaccio et Sochaux qui ferment la marche. Christian, est-ce que vous avez poussé un grand ouf de soulagement au coup de sifflet final pour enfin cette victoire? Bien sûr, je crois que quand tu perds 7 matchs à filet, tu es très content quand tu regagnes un match, même si c'est contre les derniers, contre Sochaux. Mais les matchs comme ça, c'est le plus difficile de sortir dans un trou. Et ouais, je crois qu'on a gagné. On pouvait mettre peut-être le deuxième ou troisième but, mais 1-0, ça suffit. Ouais, ça suffit, on va voir les stats de cette rencontre entre Nice et Sochaux. Avec une possession évidemment en faveur des Aiglons, 57-43, 10 tirs à 6 et surtout 6 tirs cadrés pour les Niçois, 0 pour Sochaux. Sochaux qui n'a pas été dangereux. On ne peut pas parler de match très abouti quand même pour les Niçois, mais seule la victoire est belle quand même, Poussin, sur ce match. C'est vrai que ouais, on n'a pas assisté à un grand match de football, mais je pense qu'on va retenir, c'est les 3 points. Comme le disait Christian, on restait sur 7 défaites d'affilée. Et je pense que de revoir le sourire voilà, sur la tête des joueurs à la fin du match, après la désillusion qu'on a connue à Reims, bah, ça fait plaisir de voir ces visages-là. Alors on va écouter justement la réaction du capitaine de l'OGC Nice, Didier Digard, après ce Nice-Sochaux. On n'a pas eu des milliers d'occasions, mais à partir du moment où on a marqué, on a bien défendu, on n'a pas laissé d'occasion
à Sochaux, on a continué à aller de l'avant, donc c'est assez satisfaisant, même si tout n'a pas été parfait, mais il y a des moments où faut ne pas faire la fine bouche. Ouais, ne pas faire la fine bouche, Christiane. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de pression autour de cette rencontre, hein. Il fallait mettre un terme absolument à cette série. Vous avez eu un petit peu du mal à vous lâcher, vous, toute l'équipe, au début de ce match, de se mettre en route. C'est un peu compliqué. Bien sûr, comme j'avais dit, après 7 matchs défaits affilés, c'est difficile de jouer un match, même à domicile, contre Sochaux, où tu dois gagner. Avant le match, tout le monde se dit ouais, on doit gagner ce match-là, mais quand tu es dans une mauvaise spirale, on dit c'est difficile à jouer, à prendre la confiance sur le terrain. Mais je crois qu'on a bien fait. Après le match, on a eu quelques occasions pour mettre le deuxième. Maintenant, on est très content d'avoir gagné les 3 points. On attend mercredi. Le match de Coupe de la Ligue contre Sochaux. Poussin, c'est toujours compliqué de jouer dos au mur. Hein. Oui, c'est vrai qu'on a senti quand même une équipe crispée, mais moi, je pense que c'est normal, hein, vu la période qu'on traversait, 7 défaites de suite. On jouait l'équipe de Sochaux. Je pense que c'est l'une des équipes les plus faibles du championnat. Hein, faut pas se mentir. Mais c'est vrai que c'est toujours des matchs compliqués. Et voilà, je pense qu'on a fait le travail. On a pris les 3 points et c'est vraiment la chose la plus importante. On va écouter justement Claude Puel à ce sujet sur finalement ce match des Aiglons et cette deuxième mi-temps peut-être un peu moins bien maîtrisée de la part de ces hommes. Le positif, c'est qu'on n'a concédé aucune occasion du match, même s'il y a eu des coups de pied arrêtés, même s'il y a eu des longs ballons de cette équipe sochalienne, même s'il y a eu des essais de contre également. Donc on a bien géré ça à peu près. Après, on n'a pas eu tellement de maîtrise par rapport à cet adversaire, encore une fois, parce qu'on était un petit peu tendu, mais l'essentiel est bien là. L'essentiel était là pour Claude Puel, des propos recueillis par Nassim Thiresch à l'issue de la rencontre. Une deuxième période, on le disait, un peu moins bien maîtrisée, mais c'est normal, peut-être Poussin, parce que cette équipe de Nice, elle est encore en convalescence, on va dire. Oui, c'est vrai qu'on le disait, on a la chance d'ouvrir le score, donc on avait envie de tenir ce résultat, parce qu'on en avait vraiment besoin, ça faisait des semaines qu'on l'attendait, cette victoire. Donc c'est sûr qu'on était un peu crispé, mais bon, je pense que la confiance va revenir, et je pense qu'il y a les joueurs de qualité pour faire preuve un petit peu plus de maîtrise sur les prochains matchs. Alors on le disait, fin de série pour les Aiglons, on va revoir ces images de juin, hein, dans les vestiaires à la fin du match. Christiane, vous allez un peu nous commenter ça. Ça fait du bien de retrouver ce genre d'image, quoi. Bien sûr, je crois qu'on a retrouvé nous autour du table à la fin du match. On était très contents de refaire ça, parce que c'est déjà longtemps passé qu'on a pu faire. Le 18 octobre dernier contre Marseille. Et je crois qu'on était très contents. Ouais, avec votre compère là. Luigi Brins à la fin du match. Des images de joie dans le vestiaire. Poussin, on aime voir ces images-là. C'est vrai que c'était dur, hein, sur ces 7 derniers matchs. On avait du mal à trouver des choses positives. Là, on reprend le sourire. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Je pense que les joueurs se préparent toute la semaine pour faire le match de compétition le week-end, pour gagner. Parce qu'avant tout, quand on joue, on fait une grande préparation. Donc le week-end, on a envie de ramener la victoire. Et ça faisait plus de 7 matchs qu'on attendait ça. Donc là, on est content de voir ces images-là. On va écouter Claude Puel en conférence de presse à l'issue de la rencontre, justement, sur cette fin de série pour les Aiglons. Et c'est toujours difficile, c'est très pénalisant, c'est très dur de vivre ces situations-là. Malheureusement, j'en ai déjà vécu. Eux, c'est la première fois pour la plupart d'entre eux. C'est très difficile parce qu'ils s'investissent, ils n'ont jamais lâché. Et puis ça ne veut pas sourire, il n'y a pas la réussite au bout. Et malgré beaucoup d'investissements, comme je dis, une bonne attitude, des matchs de qualité sur un plan technique, c'est très dur, mais c'est quand même mieux d'appréhender, d'envisager les prochains matchs avec une victoire comme ce soir. Christiane, c'était quoi le plus dur pendant cette période finalement? C'était de voir les matchs s'écouler et se dire... Ça commence à faire beaucoup, là, en ce moment. Je crois qu'il n'y a rien qui était plus dur. Je crois qu'on est rentré toujours dans un match pour gagner ce match-là. Sauf à Monaco, on a quand même fait des beaux matchs. Pour moi, pour tout le monde qui a vu le match, on pouvait prendre des points. Mais quand t'es dans une mauvaise période, comme on a vu à Reims, tu prends un but dans la 93e minute. 93e minute. Ça nous fait mal, mais je crois qu'on est resté toujours dans la même ligne. On a travaillé pendant la semaine pour,
pour ressortir de ce trou-là. C'est ce que va nous expliquer également Eric Botteac, le buteur de cette rencontre, toujours en conférence de presse. Un gros soulagement, comme je l'ai dit, c'est cette défaite consécutive. On a égalisé le record des années 60, on ne voulait surtout pas le battre. Et ce soir, avant le match, on s'est tous dit que c'était une victoire obligatoire. Même le nul, ça n'aurait pas été un bon résultat. Donc on s'est tous dit... on s'est tous pris les yeux dans les yeux. On s'est dit, les gars, ce soir, c'est victoire ou rien. On regarde les journaux. On voit que tous les jours, ça parle de ce record. Que l'OGC Nice, c'est sur 5, 6, 7 défaites consécutives. Donc nous, ça nous prend un peu la tête. Après, ça fait partie du jeu. Vous êtes là pour faire votre boulot, nous aussi. Fallait vraiment stopper cette spirale négative. Christian, Eric l'évoque là. Vous êtes parlé avant la rencontre. Vous êtes dit des choses avant ce match? Oui, vraiment, avant ce match-là, on a dit, putain, on doit arrêter de perdre. On doit sortir ici et on doit prendre les 3 points, rien d'autre. Et on a vu, dans ce match-là, on n'a rien lâché, même pas une phase facile. On était dans le duel et je crois qu'on a vu dans ce match-là. Alors, on vient d'entendre Eric Botteac, justement. C'est un petit peu l'homme de cette soirée pour les Niçois. Il faisait son retour en tant que titulaire dans le 11 de départ de l'OGC Nice après une blessure au genou. Et justement, Christophe, on a choisi de mettre l'accent sur Eric Botteac cette semaine. C'est le Poussinaï de la semaine. Évidemment, Eric Botteac, buteur sur ce match, mais il n'a pas fait que ça, Eric Botteac, samedi soir. Non, c'est vrai qu'il a fait un bon match, il a fait une bonne prestation, il a mis beaucoup d'application dans tout ce qu'il a fait. Là, on voit qu'il tente un corner direct, il sait qu'il n'y a personne au premier poteau. Là, sur cette action, on voit toutes les qualités de vitesse et de technique, il remonte vite le ballon, il se projette vite vers l'avant. Et après, c'est vrai que sa qualité technique fait qu'il peut faire beaucoup de différence. On sait que c'est un joueur important de l'effectif. Là, on voit toute la qualité de centre qu'il a, qui donne un bon ballon à Dario, qui a failli marquer ce but. Et c'est vrai que oui, il a fait vraiment un bon match et c'est vraiment un élément très important pour la suite du championnat. Et là, Christian, on le voit marquer, c'est un beau but. Il s'arrache bien. Ouais. Christian, on vous a vu pas mal combiné avec aussi Eric Botteac dans ce match-là. Une certaine complicité qui est en train de renaître, on va dire, parce que c'est vrai qu'Eric a été absent longtemps des terrains. Il faut retrouver comme ça, entre vous, les automatismes. Oui, on essaie toujours de nous trouver sur le terrain avec Eric ou avec tout le monde sur le terrain. Il faut faire la différence, nous devons. Et je crois que c'est très important qu'on se trouve toujours mieux. Et c'était dommage qu'il était blessé pendant longtemps, mais je crois qu'il est là maintenant. Et maintenant, on peut retravailler sur les actions. Poussin, est-ce que Eric Botteac, il est indispensable à cette équipe de l'OGC Nice? Oui, moi, je pense qu'il est indispensable. Je pense que l'année dernière, c'était un joueur très important de cette saison. Et c'est vrai qu'un joueur comme ça, on en a besoin, parce que c'est des joueurs de qualité. Mais je pense que la complémentarité avec Christian, je pense que c'est des joueurs qui sont techniquement au-dessus de la moyenne, qui ont une bonne vision du jeu. Donc c'est vrai que c'est plus facile pour se trouver sur le terrain après. On a posé la question justement à Eric Botteac. Êtes-vous indispensable à cette équipe de l'OGC Nice? Écoutez sa réponse. Ben, j'essaye d'apporter ma générosité, mon allant offensif, parce que c'est ce qui manquait un peu dernièrement. Quand on prend le ballon, quand je prends le ballon que je percute, c'est ça qui manquait. Après, j'ai eu du déchet au niveau des dernières passes, parce que quand j'accélérais, à la fin, j'étais un peu moins lucide. J'avais une charrue dans mon dos qui me disait « Non, tu ne peux pas y aller ». Donc... Après, c'est pour ça que je suis sorti après, le coach il a compris. Il n'a pas encore 90 minutes dans les jambes, Eric Botteac, évidemment. Ça, c'était sur son grand point à la fin du match, la charrue. Évidemment, on va voir ses stats, Eric, sur cette rencontre. Et on s'aperçoit 51 ballons joués, 76% de passes réussies, 12 centres et un but, évidemment, pour Eric Botteac. Et Poussin, le jeu niçois, qui a tendance plutôt à pencher à gauche, on le remarque. Oui, c'est vrai qu'indirectement, quand on sait qu'Eric Botteac est titulaire, donc on sait qu'il fait beaucoup de différence, donc on essaie de jouer plus sur son côté. Mais c'est vrai qu'il a vraiment beaucoup apporté sur ce match-là. En plus, il nous l'a dit après le match, il jouait quasiment sur une jambe, parce qu'il ne peut pas tirer du pied droit, il nous a dit Eric Botteac, Christian. Ouais. Et je le savais déjà avant, parce que l'année passée, j'ai eu la même blessure. Et je lui ai dit, tu vas sentir tout ce que tu fais avec le jambe droit. Et mais heureusement, il est gaucher, il a toute sa,
toutes ses qualités sur le jambe gauche. Ouais, comme on dit, le pied droit, il lui sert juste à monter dans le bus. Hein. À Eric Botteac. Alors, autre joueur qui a joué un petit peu aussi diminué dans cette rencontre, paradoxalement, et qui fêtait également son retour, c'est David Ospina, le gardien de l'OGC Nice. On l'a vu très à l'aise, hein, Poussin, dans les sorties aériennes en particulier, parce que c'est vrai que les attaquants socialiens ne l'ont pas mis trop à contribution non plus. Il a quand même fait 2-3 sorties, là, comme on peut le voir sur les images. Il n'a pas peur d'y aller. Et c'est vrai qu'il a joué un petit peu sur une jambe, mais ça, il a fait des beaux arrêts. C'est sur une question, hein, de la tête. Ouais, oser un peu la... ouais. le mettre en confiance. mais c'est vrai qu'il a beaucoup rassuré. On voit toute la, voilà, toute la qualité de ce gardien. Et c'est vrai qu'on sent qu'il rassure tout son bloc défensif et toute l'équipe. Et c'est vraiment important. Il fallait faire aussi attention à lui, quand vous lui donniez les ballons en retrait à David, parce qu'il ne pouvait pas lui dégager du pied droit, par exemple. Je crois qu'on a vu une fois avec Romain qu'il a donné le ballon. Ouais, là, tout le monde a eu peur, parce qu'au moment où le ballon, il est arrivé, on savait que ça va être difficile pour lui. Mais je crois que pour le reste, il a bien fait son job. Et peut-être qu'il doit encore s'entraîner sur son pied gauche. Il a frappé une fois pied gauche, mais ouais. Ouais, quand on est gardien, on se doit d'avoir les deux pieds, hein, évidemment, pour dégager en toutes circonstances. On va écouter évidemment Valentin Essérick et Claude Puel sur David Ospina, mais juste j'aimerais avoir votre avis avant. Vous le connaissiez peu finalement, David, avant votre arrivée ici à Nice. Comment vous le trouvez comme gardien de but? C'est un grand gardien, je crois. Il a toutes les qualités. Je crois qu'il a 26 ans. Il a encore une grande carrière devant lui. Et ouais, il nous a déjà pris beaucoup de points. Et ouais, je crois qu'on est. On peut être content d'avoir lui dans notre but. Et c'est pour l'instant, hein, pour le moment, le seul joueur de l'effectif de l'OGC Nice qui est assuré de faire la Coupe du Monde au Brésil en 2014. On va écouter donc Valentin Essérick, pardon, et Claude Puel sur ce qu'ils pensent justement du retour de David Ospina. C'est vrai que c'est notre gardien numéro un, c'est celui qui nous parle, qui nous rassure. Et c'est vrai que quand il nous fait des sorties ou des parades décisives, il est un peu plus rassurant que les autres, même si les autres font du bon travail. Mais c'est vrai que c'est quand même David Ospina. C'est vrai qu'il nous a soulagés. Il est sorti chaque fois avec à propos, maîtrisant les airs. Et puis ses coéquipiers l'ont protégé également. Je ne pense pas qu'il ait eu une frappe cadrée ou un arrêt à faire, si ce n'est des sorties dans les airs. Donc, c'est très bien de le retrouver, de le voir. Bien sûr, il nous apporte, il apporte de la confiance à tout le groupe. Et c'est bien également de voir ses partenaires au diapason. Alors Poussin, on le disait, hein, cette semaine, 3 matchs en une semaine pour l'OGC Nice. Le match contre Sochaux en championnat, le match en Coupe de la Ligue mercredi à 18h45 et le match contre Evian Toulon-Gaillard. Est-ce que Eric Botteac et David Ospina, qui reviennent de blessure, peuvent enchaîner sur ces 3 matchs? Non, je pense que c'est compliqué. Hein. Quand on revient de blessure comme ça, je pense que d'enchaîner 3 matchs en une semaine, c'est un peu trop compliqué. Donc à mon avis, peut-être que Eric Botteac, je ne pense pas qu'il sera titulaire mercredi, parce qu'il faut le préserver pour le match de samedi. Et après, David Ospina, ça dépend voilà, comment il va se sentir. Mais c'est vrai que c'est difficile quand on vient de blessure d'enchaîner 3 matchs en une semaine. Vous avez connu cette blessure, donc vous le disiez tout à l'heure. Comment ça s'est passé après? Vous avez réussi à enchaîner les rencontres ou pas? Comme j'avais dit, c'est toujours très difficile pour la jambe où tu te blesses de revenir avec la force, parce que tu le sens 2-3 mois après encore. Mais ouais, il faut, comme on dit, taper sur les dents. Serrer les dents et ouais, continuer. Ouais, parce que c'est un match important. On en reparlera évidemment de ce match de Coupe de la Ligue mercredi face à Sochaux. On a entendu Valentin Essérick sur le banc, donc au coup d'envoi, et qui est rentré en jeu en seconde période. Poussin, il s'est plutôt mis en évidence, hein, Valentin, dans cette rencontre, dès qu'il est rentré. Ouais, c'est vrai qu'il a montré de bonnes choses. Il a apporté offensivement. On connaît toute sa technique, toute sa finesse qu'il a dans le jeu. Donc c'est vrai qu'il a fait une rentrée intéressante. Je pense qu'il n'était pas titulaire, mais bon, il avait cœur à montrer plein de bonnes choses. Avec le retour des blessés progressivement, Christian, c'est vrai qu'il y a une concurrence qui se remet en route, hein, qui se réinstalle. Ça, c'est bon pour le groupe. Ouais, c'est toujours mieux que tu as plusieurs joueurs pour les places, pour être titulaire. Comme ça, tu dois travailler plus pour se montrer. Et, ouais, je crois qu'on a quand même beaucoup de qualité dans ce groupe-là. Il a l'avantage de la polyvalence aussi, hein, Valentin Poussin. Oui, c'est vrai qu'il peut jouer sur le côté, il peut jouer en soutien de l'attaquant. Donc c'est vrai qu'il faut s'en servir. Et comme le dit Christiane, c'est mieux d'avoir tout le monde qui est opérationnel, et c'est un plus pour le groupe. Tout comme vous, hein, d'ailleurs, hein, Christiane, vous jouez dans l'axe là du milieu de terrain, juste derrière Darius Vitanić, et vous pouvez évoluer quasiment à tous les postes du milieu de terrain. Oui.
C'est quoi votre préféré? Allez, entre nous. Celui-là, en ce moment, c'est pas mal, non? Juste derrière l'attaquant. Bah, il y a toujours des matchs compliqués, que t'as à gauche, à droite ou au milieu. Et ça dépend. Très à l'aise des deux pieds ou... Ouais, ça va? Ça va. Alors justement, on va s'intéresser un petit peu plus à vous, Christian, à travers ce match. On va voir vos statistiques justement sur cette rencontre. 58 ballons joués, 8 centres, 2 tirs cadrés sur 3. Comment vous êtes senti dans ce match, Christian? Au début, je crois que c'était un peu difficile de rentrer dans ce match-là parce qu'on a joué contre 6-7 défenseurs. Et ouais, c'est difficile à se montrer, à forcer quelque chose. Mais on savait qu'il y a des possibilités qui arrivent et on est resté concentré, je crois moi aussi. Et puis on a marqué et puis c'était un peu plus facile, mais ouais, il faut toujours quand même jouer ce match-là. On voit ces images tournées par Nassim Thiérèche pendant la rencontre. On a gardé notre caméra sur vous. Un peu chef d'orchestre hein, au milieu de terrain, Christian. C'est un peu vous qui placez un petit peu ou qui jouez la manœuvre en attaque, en tous les cas. J'essaye. Je crois que c'est très, très, très important de parler beaucoup, de placer quelques joueurs qui ne sont peut-être pas bien placés. Mais je crois qu'il y a d'autres joueurs qui parlent et ouais, je crois que c'est toujours mieux pour l'équipe s'il y a plusieurs qui parlent. Ouais, parce qu'on disait, hein, manque de leader parfois dans cette équipe de l'OGC Nice. Là, si tous les joueurs sur le terrain font le boulot, essayent de placer les uns et les autres, ça ne peut que marcher pour les Niçois. Oui, ça ne peut que marcher. Hein. Mais c'est vrai que pour revenir à Christian, c'est un joueur qu'on a découvert cette année. Je pense que c'est un joueur qui a plein de qualités, qui a vraiment une bonne vision du jeu, une bonne technique. Et c'est vrai que c'est comme une bonne surprise depuis le début de saison. Bonne surprise et malin aussi, Christian. On va regarder ces images en fin de match avec ce coup franc. Voilà, vous dites à Valentin et Céric, attends, pousse-toi, je vais frapper. Le petit coup d'œil à l'arbitre, est-ce que c'est bon, je peux y aller? Et hop, on y va, on envoie. Et Kroos qui met en corner, racontez-nous un petit peu, ça vous le sentiez, hein, vous saviez qu'il fallait jouer vite ce coup franc. J'ai déjà marqué un coup franc comme ça. Ah, c'est pour et, ça alors ouais. Mais là, j'ai pas bien visé. S'il est plus à gauche, peut-être il rentre. Ouais, le gardien était quand même attentif. On le disait avec Claude Puel tout au long de cette saison, depuis que vous êtes arrivé, il vous demande aussi parfois d'être un petit peu plus tueur devant le but, de marquer plus. C'est aussi la réflexion que vous faites? Moi, je crois que c'est tout le monde qui me demande ça. Et, moi-même aussi, je veux marquer plus de buts. Pour marquer des buts, il faut être là. Et je crois à ça, j'ai déjà beaucoup travaillé, d'être là, d'être prêt pour marquer des buts. Et ouais, je crois qu'il y a encore des buts qui arrivent pour moi. On espère que ça va rentrer pour vous. On va vous montrer une autre petite image plutôt sympathique. C'est quand vous tirez les coups de pied arrêtés ou que vous faites les centres. Regardez, hop, vous tirez, le ballon y va. Hop, et vous essayez de mettre la tête comme ça, vous aussi. Ça fait deux fois, hein. On va le voir après sur un autre centre que vous effectuez pendant la rencontre. Hop, le ballon, il va vous arriver dans les pieds. Le centre pied gauche. Et hop, le petit mouvement de la tête pour essayer de la mettre au fond. C'est pour insuffler le bon timing à vos coéquipiers, ça? Peut-être. Je l'essaye un peu de marquer avec. Donner l'influx à vos attaquants peu, ouais. pour essayer de marquer cette tête. Vous savez aussi mettre le pied, la jambe quand il le faut, hein, parce que vous avez pris un petit carton jaune dans cette rencontre. On va le voir sur ces images. Il n'est pas anodin, ce carton jaune, parce qu'il y a une grosse faute sur Mathieu Bonnemère au début. Et puis derrière, vous allez plus ou moins venir faire justice un petit peu en envoyant. C'est pas méchant, évidemment, mais vous savez mettre le pied quand il faut. Ouais, je crois. Là, je dois faire la faute, tactiquement, je crois. Mais je crois que tout le monde a vu la faute avant qu'il. Bien sûr. Comme il est rentré là, c'est trop dangereux pour, dans un match-là. Et moi, j'ai juste mis le pied qu'il tombe. Mais j'étais un peu. Ouais. On voit là sur Mathieu, hein, il y va si franco, on voit ça, Zuma. Ouais. Là, il devait y avoir coup franc dès le départ. Hein, il ne faut évident. Pas discuter, là. S'il rentre vraiment dans ce duel-là, hein, Mathieu, peut se faire casser la jambe, évidemment. Ouais. Vous êtes un joueur à tempérament, plutôt? Non. Non? Non, jamais. Non? Les coups, c'est pas pour vous? Non, moi, peut-être par championnat, je prends deux cartes jaunes. Mmh. Mais bon, de temps en temps, il faut faire les fautes, mais... Plusieurs fois, j'essaye
de régler ça sans faire des fautes, sans faire des fautes graves. Et, ouais. Plus technique, évidemment, Christian Brulle, Saint-Poussin. C'est vrai qu'il a un tel bagage technique qu'il n'a pas besoin de faire de fautes, finalement. Oui, c'est vrai qu'il a une facilité avec la balle assez impressionnante. Donc, je pense qu'il va subir plus de fautes qu'il va ne faire de fautes, je pense. Alors, on est allé voir quelques-uns de vos coéquipiers, Christian. On est allé leur demander s'ils avaient un petit message pour vous. On regarde. Christian, het is gezellig dat je er bent. Iemand waar ik lekker Nederlands mee kan praten. Ja, toch vind ik wel dat je wat vaker de ballen mij mag overspelen op de trainingen. Maar dat komt wel goed, denk ik. Het is altijd gezellig, altijd lachen. Op de hotelkamer, buiten het veld, op het veld, tijdens de training. En ja, we gaan het seizoen goed afsluiten. En nou, je ziet het, je speelt veel en je bent belangrijk voor het team, dus hou het vol. Demande-lui qui c'est le meilleur entre lui et Luigi au bowling. Parce que les deux, ils sont pas mal, donc demande-lui qui est le meilleur entre les deux. Christian, il faut pas arrêter faire ton vidéo de rap. il faut que tu nous montres des fois. C'est quoi cette histoire de vidéo de rap, Christian? Dis-nous tout. Quand il y a un nouveau joueur qui rentre dans une équipe, il faut toujours chanter. Et ouais, c'était un divan. Ouais. Où je devrais chanter. Et puis, comme personne ne comprend l'allemand, je voulais faire un peu plus. Et puis, j'ai réglé tout ça avec le responsable de l'hôtel pour chanter avec le micro. Et ouais, c'était un petit rap allemand. Vous pouvez nous le faire, là? Ça donne quoi si on envoie un peu de musique? Ça, j'ai besoin de beaucoup de confiance. D'accord, beaucoup de confiance, d'accord. Évidemment, on a parlé du rap. Et du bowling, alors, la question d'Éric Botteac avec vous et Luigi au bowling, c'est qui le meilleur? Ensemble, on est trop fort. C'est vrai? Ensemble. Ouais. Quand vous jouez ensemble contre les autres? On est trop fort. On aime tous. Vous faites strike sur strike, vous êtes déjà arrivé à un score parfait ou pas? 300? Non, pas ça, mais on est loin. Mm. Vous entendez bien avec Luigi, hein. C'est vrai, vous parlez flamand entre vous et c'est sympa. Ouais. Ouais. Évidemment, donc, on parlait de l'ambiance à l'intérieur de cette équipe de l'OGC Nice. Il y a une bonne ambiance, plus ou moins, plutôt plus que moins d'ailleurs, Christian. Dans l'équipe maintenant? Dans l'équipe, oui. Dans l'équipe, il n'y a jamais eu des problèmes. Il y a toujours de bonnes ambiances. Et je crois que c'est très important pour une équipe de rester dans cette ambiance-là. Et ouais, je n'ai jamais trouvé ça dans un autre club. Dans beaucoup de clubs, au bout de cette défaite, ça se serait déchiré peut-être. Là, l'équipe a toujours resté soudée, ouais. Hein, Christian. Ouais. Alors, on parlait de l'ambiance à l'intérieur du groupe. Il y a ici aussi, évidemment, l'ambiance des supporters. Comment vous les trouvez, les supporters de l'OGC Nice? Comment on dit, magnifique? Ouais. Non, je crois que, comme j'avais dit, avec l'ambiance dans le groupe, hors du terrain, l'ambiance, les supporters, c'est phénoménal. Je crois qu'ils ont resté toujours derrière nous. Et ouais, de se trouver des supporters comme ça, qui restent, après cette défaite, quand même derrière l'équipe, tu ne trouves pas beaucoup du monde. Et ouais, je crois il faut dire merci à eux de nous supporter dans les bons temps, mais aussi dans les mauvais temps. Et ouais, on est sortis ensemble de ce trou-là. Vous aimez quand ça chante? Vous aimez quand c'est chaud sur le terrain? Bien sûr. Ouais. En Belgique, c'était chaud aussi comme ça, parfois? Pas comme ça. Pas comme ça. Un mot sur le match de Coupe de la Ligue, donc mercredi contre Sochaux, encore une fois à 18h45. Une compétition importante, hein, Poussin, car en quelques matchs, on peut se retrouver rapidement au Stade de France, hein, finalement. Il ne faut pas la négliger. Non, il ne faut pas la négliger, parce que ça peut aller très vite. Donc, ça serait bien de passer ce tour-là. On a une équipe à portée de main, quand même, de jouer Sochaux à domicile. Donc, c'est une bonne opportunité pour aller au prochain tour. On va écouter Didier Digard, justement, sur ce match entre Nice et Sochaux en Coupe de la Ligue. Ça, c'est vraiment très, très compliqué, mais faut garder le même état d'esprit. Voilà, ne pas se satisfaire de ce match. On a envie de faire quelque chose en coupe, et même si on sait que ce sera très compliqué, on va bien se reposer et très bien préparer ce match pour se qualifier. Voilà, on espère une qualification pour une soirée. Christian, juste un mot, vous êtes prêté ici avec option d'achat à l'OGC Nice, vous sentez bien ici, vous voulez rester? Très bien. Ouais. Parfait, le message est passé. Le prochain match du GIB en championnat, c'est samedi soir, 20h à l'Alliance Riviera. Nice recevra Evian, un match à revivre le 23 décembre à 19h30 sur Azure TV. Et puis, évidemment, les rendez-vous d'Azure TV à venir, le jour GIB
du lundi au vendredi, le jour gym de Nassim Tirège à 18h25. Le brief de Nicolas Galup, ça sera vendredi 20 décembre à 21h. Nice-Evian, donc lundi 23 décembre à 19h30. Suivi du brief, du débrief, pardon, où nous recevrons le président du gym, Jean-Pierre River. Christophe, merci beaucoup d'avoir été avec nous à lundi pour le commentaire de ce match Nice-Evian. Christiane, merci beaucoup. La prochaine fois que vous venez sur le plateau, vous nous faites un petit rappalement. Hein. J'espère que vous allez nous préparer ça. Bonne continuation avec l'OGC Nice. On se retrouve lundi prochain pour un prochain débrief. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se quitte avec les plus belles images de ce Nice-Sochaux. À la semaine prochaine.